par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Oui, madame, on a GCAM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, moi, Namboka, Samba, Olonga, Apesibino, Matondo, Mingi, Pona, Boponi, Etando, Oyo, GCAM Télévision, merci pour la fidélité, Nabino, merci pour la confiance, Oyo. Pour renouveler la cana, Etando, Nabiso, pour nous partager, Basangoya République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup et vous êtes le bienvenu. Actualité, Nabiso, Yamboué Banda, Nazalakana, Tina, Yako, Yebisa bakome de mortel été justice yanzambe eratakate justice yanzambe motomo kote a échappaka na contrôle nango soki yo ko salaka mabe yeba ngo ki mabe na we ko landa yo ezala osali yango na nkuku ezala osali yango na mpoisa omibenga tout puissant omibenga nyonso yo ko mibenga yeba yango ke un jour ou un autre justice yanzambe ko rattraper yo alors il n'est pas tard pour changer. Zonga sima, tala sima zonga moto, ndenge balobaka, eza penda malamu mingi. Actualité na biso, ezali premièrement concerné na maye etali ba déclaration ya petit frère ya Corneille Nanga, gouverneur ya Ouwele, komo na yeba Seyane Nanga, en tout cas ya lobby ke fami Nanga, selon ba déclaration na ye na presse, ezali persécuté à cause ya ba acte criminel ya Corneille Nanga. Ces actes-là n'ont rien à voir avec la famille. Et en tout cas, ils allaient l'être ouverte au yé, adressé à président Félix Tshisekedi et puis ils allaient qui devant presse nationale, na internationale, pour na ko dénoncer, en tout cas, ben, persécution, bango bazali ko subir, à cause, il y a, bah, acte au yé, monsieur Corneille Nanga, azali ko poser, bah, acte na yé et ko engager kaka yé moko. En tout cas, Zali Mokolo, Makamunaye, Etali famille Nanga, famille Nanga, ni de loin, ni de près, parce que Bango, Bayebi, Solo Yamundu Gite, Bayebi Pe, Makambo Etali, Rébellion Te, nous allons revenir sur cette actualité vraiment importante. Actualité, Moussousou Ezali, à la une Ezali, publication, Yaba résultat provisoire, Yaba législative, na niveau provincial. En tout cas, Ezali, sans surprise, l'UDPS Félix, c'est l'UDPS Tshisekedi, pardon, Ezali, Kobima en tête, suivi de l'UNC, en tout cas, qui fait une très grande surprise pour le peuple congolais, UNC à Vital Kamerhe, Ezali, qui a confirmé place Nango, il y a deuxième force, il y a force politique, il y a Union Sacrée Topé, il y a République démocratique du Congo, nous y reviendrons avec beaucoup de commentaires, mais au moment, Oyo tozali kolobela par rapport ya makambo etali publication ya ba résultat provisoire ya ba élection na députation provinciale donc lobela pe likambo etali famille Molière Nimbalemba en tout cas na niveau national bazala ki élute na niveau pe provincial en tout cas ba congolais ba boycotter penda famille Nimbalemba tina nango ezali nini tokolobela ngo na kati ya émission Oyo, na bandal insécurité ezali makasi bandal c'est une commune de la ville de Kinshasa kuna ba supporter soki tokobenga bango bongo ba partisans ya Levi Mpangi bazali ko s'affronter ba kayi ko piller ko déranger ba partisans ya Patrick Muyaya o azali encore élu député provincial na commune ya Banda Lungwa. En tout cas, le résultat où ils allaient toujours continuer à poser des problèmes. Certaines personnes n'ont pas toujours la disposition naturelle. Il y a qu'on allait faire play pour accepter le résultat, même si on a eu bien mouroqué. Ensuite, nous en parlerons. En tout cas, ils allaient question aux téléspectateurs, est-ce qu'il y a un malaise entre l'UDPS Tshisekedi et le MLC? Y a-t-il un malaise entre Jean-Pierre Bemba na Félix Tshisekedi tokolobelango na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité qui sera abordé tout à l'heure à travers les analyses de Samba Olonga qui est devant vous. Je vous dis encore une fois de plus merci d'avoir choisi la bonne fréquence qui est la voix des éclairés, émission de vous congolais, vous tous éclairés. Du monde entier, je vous dis grandement merci. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez les lives, partagez notre actualité.
Laissez-nous un commentaire depuis où puis osali kolanda moi na mboka samba olonga mukli ezalaka toujours balance en tout cas ezala penda malamu o liker pe o partager ce ko sambonate voilà l'occasion pour vous de vous abonner à cette chaîne nazongi na lombangu na actualité ndenge na sila ki ko présenter ango na biso. Ya mwete toko ta actualité a Cormeil Nanga tozali kupe sa priorité na actualité a ba élection. En tout cas, ezala kinde mokolo lobby na pokwa après match a Léopard autre pe ko commenter mukende publication et salami ya ba élection na niveau provincial législative provinciale. Mais yambo ba élection ne salim en tout cas date wana ezala ki choisi au même moment pe que Léopard asilisi kubeta match na ye na équipe ya Maghreb oyo ezali Maroc. En tout cas ezali première fois te to affronter bango, c'est du football. Mais après match wana tumoni ke ezala ki match moko très difficile, mais les Léopards ont quand même sorti leur griffe après ba difficulté pour toi asseoir jeu na biso convenablement et puis tout bêta, en tout cas, entraîneur Azali Penda, félicité pour la Moussala Malamou Yassalaki. Et c'est à la deuxième période, vraiment vers la fin, de Léopard vraiment, Abimé Siba Griff Naye pour nous donner cette égalisation qui nous a vraiment fait vraiment du bien. Ce qui est pour là, qui lobby, tout ça, ni sina Makamouya Baguerre, tout ça, ni sina charge. Et actualité congolaise, il y a toujours compliqué pour avaler. Il n'y a que Zalamalamou, mais quand même, l'entraîneur et surtout les joueurs Silas qu'on salue, Azala qui vraiment sauveur Nabiso après penalty raté, il y a Cédric Bakamou qu'on salue, Atikalika la légende. Le fait de rater un penalty ne fait pas de notre joueur un mauvais joueur. Il faut plutôt à la civiliser. Biso ba congolais, toi emprunter tes ba Makambo Ezali qui tout côté. C'est un joueur. Ezali peut-être un mauvais jour pour Naye. Il a raté son penalty. Voilà. Et c'était passé. Mais à la fin du match, événement Mokwe Leki et c'est Pelissa qui battouté entre Chancel Bemba, l'entraîneur. Il y a Maroc, vraiment, donc, Mimaki Bitumba, Chancel Bemba, Zala Kineko Sambela, Bisso Mabou, Zala Kineko, toujours l'écolo. Nankolo, parce que Congolais, nous, ce qui est vrai, athée ou chrétien, Zambé Nangaï, la Mounouezan a raté. Mais Chancel Bemba prié à la fin du match pour remercier l'Éternel. Na bikamo oya monaki na terrain et l'entraîneur ya Maroc azoya pe au même moment ye pour kukata ye azaki pe presque na souka prière na ye pour na kosenga ye ko reprocher na makambo vraiment tout ça ko ye ba quintessence na ngote. Chancel Bemba se salué na ye mais ya lingi kotika Chancel Bemba te façon asimba ki na loboko. Et Zala qui est violent. Voilà pourquoi Chancel Bemba était obligé de tirer, d'enlever sa main. Parce que, à Simba qui est dans le lingue, moko ya malamu, même si aux entraîneurs, aux a quand même été dans l'autorité, au salle à n'importe quoi sur joueur ou à Zali sous direction na yote. Donc, c'est ce qui a dégénéré. Après, bah, propos, moussous, et bimina, mounoko entraîneur, moussous, toyoka qui a monté, mais selon Chancel Bemba, bah, propos, et Zala qui est très raciste. J'ai pris ce point parce que dans les réseaux sociaux, et Zali, dans mingi, en tout cas, bande qu'on a biso, il y a Maghreb, bah, Zala, qu'on a comportement, moko, dignité. Donc, bango, pour n'a pas moussous, bah, c'est considéré comme africain, et pourtant, ils sont dans les continents africains. Ba mususu pona bango bazali na kati ya tuyebite soki bazana royaume bazana Arabie Saoudite tuyebaka te le fait que bazaka na posu ya pembe et ils se considèrent de leur manière ba africain noir pona bango bazalaka inférieur. Mais on salue quand même le fait que entraîneur a se ressaisir, même côté pe Chancel Bemba il s'est ressaisi malgré zo continuer ko réclamer que ayebi eloko asali entraîneur te afingi ete alobi na ye mabete. Par contre entraîneur ya Maroc nde mutu a lobby ba propos oyo ezali malamu te. Et plus loin même notre joueur dit que ba vidéo ezali makambo belé et lobama ki et loba ebimité na presse, mais il a beaucoup dit tant aux autres la paix dans le passé. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a bagarre, il y a équipe ya Maroc ezali na lolenge na bango, ils sont toujours trop violents, en tout cas ba s'emporta ka facilement. C'est là
ne doit pas faire l'objet à racisme oyo et comme communi sa manaba réseaux sociaux. On salue quand même les comportements très courtois ba congolais belé ou bazali ko tempérer ba émotion, voir aussi certains marocains qui sont en train de calmer les rythmes, mais on a assisté na ba injure, il y a lolenge na lolenge, en tout cas la fête doit aussi se libérer de cette emprise là. L'élément a été choisi pour na ko singapé na ba africain noir pour apprendre à mieux s'organiser pour ne pas tout le temps discriminer. Ce qui est total, l'Afrique blanche est minoritaire par rapport à l'Afrique noire. Mais si vous avez une carte, la CAF, Confédération africaine de football, vous trouvez que c'est l'Afrique blanche qui domine. Bango Moutou Bazali n'a pas mingi et ce sont eux qui animent les jeux dans les couloirs. C'est-à-dire, j'ai cause à les obéta manango, mais batou baza pour triquer, baza pour ça la politique, il y a football africain, c'est toujours l'Afrique à la peau blanche, n'est-ce pas, tout le monde. Donc, c'est difficile, et ça, si j'ai mon côté, tout le monde, mais ceci doit quand même nous pousser à prendre conscience des réalités, il y a football africain. Il faut, bah, africain noir, bah, apprendre à s'organiser. Non, tu as discriminé, tu as trop raciste, et cela, ça arrive tant vous n'êtes pas mieux organisé. Organisation na biso na ba pays Afrique noire, surtout les pays francophones, ils ont toujours à déplorer. Voilà un peu pour la parenthèse concernant les matchs entre Léopard. Félicitations à Bango. On attend que les meilleurs viennent encore le mercredi. Vraiment, ils allaient pas, ils allaient qu'on déstresser biso. Vu ma problème est belé, tu me sens là qu'on vivre en Angola, na Congo. J'ai parlé ici de la publication des résultats provisoires pour les élections législatives provinciales. En tout cas, UDPS Tshisekedi Azali en tête, une 90 de députés, suivi de l'UNC de Vital Kamerhe, et puis ba député Moussou Pé Bazali Kolanda, il y a ba parti politique Moussou Pé na ba regroupement. En tout cas, les élections ndenge to moneli yango et ezako kende presque vers la fin na ba publication parce que etikalika ka ba élection municipale, mais na ba provinciale, on voit que sur les 688 députés publiés provisoirement, tozali kaka na 66 oyo bazali basi. Donc, c'est moins de 10% Oyo Bazali élu comme député au niveau provincial. Ba mama Bazali presque sous-représenté pour Nanini. En tout cas, c'est parce que vous avez quelque part que vous avez joué un rôle dans Bino ou vous avez joué un rôle dans Bino. Donc, s'il y a parité, on ne va pas aller prendre les femmes à la maison pour voir comme ça va être député. Vous avez joué un rôle dans le monde. Vous avez joué un la preuve en est. Na place aux ba filles ou ba femmes ou baza compétentes beaucoup qui n'ego zoa ba tout mingi bazali toujours na culture ba lobi listo yo et représenté ba si ebele et la kisi que le kota ba makangu na onyon so pe sa bango ba mbongo cha bango na kati et c'est pas comme ça que se fait la politique. Mouti faut d'abord yo mokwa za na vocation à conserver et donner l'éducation à tout le monde. Il faut égalité za la éducation, c'est ce qu'on fait toutes les filles à l'école, on appuie les filles à étudier aussi comme les garçons pour encourager les femmes. Pour que ça manque de droits, ils allaient pour la batouillon. C'est ce qui peut faire que niveau, il y a participation, il y a agente féminine, ils allaient être élevés dans ma cambo, l'Italie, ma ponomi. Et puis, ma maman peut apprendre, pour encourager ma maman. Oyo bazali pe ko se présenter ezali pe mingi ke basi ba participer kapé na gouvernance ya mboka, c'est quelque chose de bon. Avoir 66 députés seulement na sur les 688 sur l'étendue du territoire national, ezali komone sa penda ke présence ya basi ezali penda oyo kanandenge pende singelité na ensemble na biso provincial basi ba koyo kanate. Moyenne sur 66 divisé par 26 provinces. On ne peut même pas avoir des députés dans le niveau et assemblée provinciale. Donc, les apé coupé, ça peut cocoso par rapport à l'équilibre au Isingeli et Zala. Certains nous diront la place de la femme, c'est la cuisine, comme nous disent certains
prédicateur awa musala basi eza na cuisine, mais oui, il y a aussi des femmes braves oyo bazali pe na ba qualité na vocation wana ya ko servir ekolo. Il faut aussi leur accorder cette chance là. Kasi par rapport ya publication ya ba résultat ya ba élection provinciale ndenge na lobaki awa, UDPS aza en tête et surtout na ville ya Kinshasa, UDPS a raflé 14 députés provinciaux, aza suivi na batu ya Jean-Tini Ngobila, ACP ya Jean-Tini Ngobila, baza na 9. En tout cas, Ngobila s'est battu comme un diable, bien qu'invalidé, mais à réussir na plateforme na ye, na parti na ye, il y a besoin au moins 9 députés, c'est-à-dire Ngobila sera représenté en quelque sorte na kati ya assemblée provinciale. Donc azape na mot à dire ba député na ye ba koki pe ko sala une force soki pe ba lobi ba bunda to ye bindenge e sale makana par la corruption. Nos députés maturité ndenge sale mak ba député il dépasse ba se faire sentir te na gouvernance ou le kaki. Ça, je ne sais pas ce que Peter Kazadi nous dira, mais batu baganga kia ba marche sale magi awa. Les députés de l'UDPS qui pouvaient aussi avoir un mot pour ne fût-ce qu'avoir un vice gouverneur dès le départ ou à cause d'Azay à l'UDPS ou bien président de l'Assemblée provinciale. L'UDPS à Zangaga n'a gouverneur, n'a vice-gouverneur, n'a président de l'Assemblée nationale et provinciale, pardon. C'est après ici, après avoir... politique tant que vendu malamu de toujours au monde à UDPS azape ko réussir ko koti sa jekoko mulumba comme gouverneur vice gouverneur ndenge to ko yoko lobelango. Donc corruption na se ndenge bato belé ba dénoncer yango, ba député va se faire sentir té ba député na monsieur belé moralité za pas si probité intégrité za kokoso. On peut avoir 14 députés ndenge to moni bango ya UDPS là. Logiquement, c'est l'UDPS qui a la majorité, mais il faut à jouer. On ne sait pas, dans le regroupement, européen allié, UDPS allié. Déjà, ça porte à croire que le gouverneur, il y a ville à Kinshasa, où il a pour remplacer Jean-Tini Ngobila, ou bien un intérim n'est assumé par Jekoko Mulumba. À cause de la UCI, il y a UDPS, na UDPS. Est-ce que l'UDPS Tshisekedi s'est préparé à la gouvernance de la ville de Kinshasa? Parce que tout ça, na réalité, à croire que, en tout cas, il n'y a pas assez de préparation à niveau du parti présidentiel pour la magamouetali gouvernance. C'est bien maintenant d'avoir les 14 députés négocier avec les autres structures, n'ingénie ni la politique nabino pour que bon rafler majorité nabino na niveau il y a assemblée provinciale. Mais ça ne suffit pas que les gouverneurs soient seulement issus de l'UDPS. Il faut quelqu'un, un bon manager, ou azana profil ya malamu, azana capable de relever des défis à Villa Kinshasa. Ma province, nous sommes surtout tous les jours au Landanassima, parce que j'ai comme l'impression que c'est à l'intérieur où les gens ont le temps de bien réfléchir, s'impliquer dans la gestion de leur province qu'à Kinshasa. Kinshasa, ils ont un défi à Bosoto. Kinshasa, politique sociale, ils ont un monde en athée. Kinshasa, ils ont un chèque, belé, ban, abaleke, belé, nabalabal. Tant que nous avons le babatoiseau, le belara, Bosoto. Mais l'insalubrité, là, c'est aux autres, à moi-même, à niveau social. Ils allient déplorable. Siège à l'institution capitale, au Longwa Banda, aéroport, qui n'ont eu au coma, bisika l'institution, ils allient au Yokina Mawa. Bosoto, ils allient même na Libanda ya ba institution mzuri tuza kumona. Oke libanda ya ulegi pale du peuple ulegi kuna bisika siège ya ministère intérieur na ba ministère mzuri ezali. Ba kosa l'assemblée kokata pelouse kaka libanda wana na kati wana. Me libanda nyonso zamba wane kosa la 3 mois 4 mois zamba na zamba. L'insalubrité eleki. Donc la ville de Kinshasa a besoin des gouverneurs. Cette pièce là rare, kinoa wana ya rare, pour vous permettre que ba kinoa baloba enfin toujours quand même mutu bon manager ou aza capable ya kotana no ba intérêt né de côté
oyo akoboya ko engager ka ba ONG ya lokuta pona ko kosa ba tous ko sala semblant ke baza ko kombola balabala njoka ba kombola kana bango te so en train de d'utiliser nos mamans na ba vieux papa parce que la plupart ba jeune ba mingi ba kota ka lisuma ka mwana te bazui batandi ba maman mbimba na ba papa mbimba na ba kombo ono ONG tel ezala kan collaboration na hôtel de ville mbongo ya assainissement to pesa kana ONG wana. Est-ce que ONG wana eza na qualité licence ni bazana ngo certificat ni bazana ngo que bazana bato qualifié na makambo etali assainissement. Ça dit c'est ces vols là, ces détournements là qu'on ne veut plus voir na ville ya Kinshasa mikoleza ko ya awa. Soko tali la plupart ya ba structure o ezali ko s'assurer na assainissement ya ville ya Kinshasa bazana qualification te. La plupart ya bazelu bakombolaka etumba toni sakangona ba kaniveau. La plupart ya ba déchets oyo bango ba ramasaka ekendaka nulle part. Les défis sont énormes pour la ville de Kinshasa. Il faut pas seulement se limiter que à l'UDPS. C'est maintenant que le secrétaire général de l'UDPS actuel Augustin Kabuya a transcendé, a dépassé dans nos idées, il y a ba proximité, il y a ba to bazako kotsa ba demande pour voir s'il doit être issu de l'UDPS, qui est cet homme là rare, aza capable le lo ya koyok sabiso sonité na ville ya Kinshasa. C'est bien, je koko mulumba est là, mais est-ce que ce profil là ezali vraiment profil oyo ezali ko sala unanimité pour que aujourd'hui tozwa quand même si aza kozala nzambe te, mais muto yo aza capable le lo a relevé défi ya ville ya Kinshasa. Tout le monde a quand même clair en termes de gouvernance. Parce que depuis tant que le bilango est bandaka en matière d'administration, l'administration de la ville de Kinshasa est trop sale. Cette administration-là est très corrompue. Donc, tout se joue d'abord autour de l'administration. À quoi administrer Ndengeni? Cop, naba bourgmestre, cop, bassoir, kaka manœuvre, wana. Enfin, on ne verra rien. Alors que la ville de Kinshasa a des fonctionnaires de l'État qui sont payés dans le trésor public. Mais, baza kwa sala musala na bangote. Sur le plan environnemental, zéro. Plan, y a oko kende na niveau nyon, sur le lo moutaza capable na ye, a ye, a komi li boso yandaku na ye, a timoli li boulou mounene, a komi si ango dal ya wese na ye. Ce qui montre que l'État n'existe pas. Donc, pour ce qui est cette question-là, il y a UDPS Ndenga Zali configuré en tête. On pense que c'est très important que ça réfléchisse. Parti cher, il y a Etienne Tshisekedi. En tout cas, Zali penda na défi mounene. Awa, na zongeli ko loba makambwana. Na ko loba kaka, pardon, bolimbisangai, moyena kanga sungu no kwezate. L'UDPS, na beleli combien de fois? La marge de manœuvre ici veut que l'UDPS qui s'impose comme première force politique démontre réellement politique socialiste Oyo Boshantaki Toshantaki depuis près de 40 ans. Les 5 années passées, on ne juge que Félix Tshisekedi, pas trop l'UDPS, parce que presque inexistante dans ma institution, Ndengezalaki sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui que l'UDPS entre dans toutes les institutions, Boyo qui s'étienne Tshisekedi Wamulumba Sonité. Et ça qui tourne au latin label, il y a eu de PES, il reconnaît de lui de PES, mais est-ce que lui de PES a un bureau politique qui réfléchit par rapport aux enjeux de l'ère et par rapport à l'avenir? Parce que vous voyez, il y a un bureau politique, il n'y a presque pas un bureau politique. Et Augustin Kabuya, Yebisa biso, UDPS eza ko kambama ndenge nini? Est-ce que bureau politique ya UDPS eza na ba stratégie ya solo bien définie, claire? Ou bien c'est toujours les divisions, trop de mécontents par rapport ya ndenge eza ko tambola? Critique eza eze na boyi boya ko bwaki langa mabanga lobi. Oh, akomi ko combattre UDPS, je suis le produit, j'ai combattu. Ça c'est pour ce qui n'engage que moi. Tout chango entre parenthèses. Surprise, Moussoutozoa Gozoa, dans ma élection au provincial, c'est l'UNC de Vital Kamerhe qui a 56 députés provinciaux. Outre les 40, quarantaine, il y a des députés dans la Bango, je sais pas, 39 ou 40,
oyo bango bazui na niveau national l'UNC sans compter peut-être ceux qui peuvent bazana manœuvre na bango il y a quelques structures alliées à l'UNC s'ils ont aussi su ramasser quelque chose ils seront dans les 40 ou 40 quelques c'est déjà significatif déjà na niveau il y a députation nationale l'UNC à Vital Kamerhe bazali deuxième force politique ya mboka toyé na provincial UNC à Kamerhe bazui 56 députés provinciaux ça encore c'est significatif toza kotuna mutuna pour ceux qui n'aiment pas travailler bazo balobi Kamerhe azala te na gouvernement tsekeda ko sala toli ko yoka makamba Kamerhe te lui c'était ceci lui c'était ceci mettons de côté les émotions il faut travailler pendant que les autres font du bruit les autres travaillent et ça résultat ya musala basali naza ko rappeler na lobaka on émission les kakia Vital Kamerhe détourneur de fonds publics dans les procès 100 jours condamné au premier degré 20 ans de prison oyo bakatela guiyé avec des amendes au deuxième degré on a encore amoindri et komaki soki 13 ans et après recours monsieur Kamerhe a été acquitté salut nanga oyeba pas salut mais salut dans toute l'étendue du territoire national vision abiso ta onza ko tala INC biso solobi non image ya Kamerhe comme très sali mais aza ko mériter le soutien pena na ba institution en République démocratique du Congo mais voyons que cet homme qui sort de la prison il est sérieux entre guillemets dans ce qu'il fait il s'implique vraiment qu'il sent vraiment que aza ko bunda bitumba naye à s'organiser na parti politique naye le résultat qu'ils ont est surprenant. Ah, on a dit que la caméra est là, mais ces résultats sont surprenants. Pour quelqu'un qui a été accusé pour vol et détournement, tout le monde, parce que langage, il y a des politiciens qui ont détournement, vol, c'est trop choquant, on préfère détournement. Il a juste détourné. 56 députés provinciaux. Ça montre qu'ils ont travaillé, ils ont bien travaillé pour eux. Baza na management sérieux, secrétaire général y a parti na yé, baza sérieux. Ils ont suivi Félix Tshisekedi partout, na batrace y a Tshisekedi, soit ils sont devant, soit après Tshisekedi. Ba travailler, ba s'organiser. INC y a Vital Kamerhe, ils ont sima y a baati lukwebo, na ba élection ou il est kaki. Mais cette fois-ci, ils sont devant Bahati Lukwebo. Mais quand on va parler, tu as dit que le bas, au niveau de l'UDPS, tu as rêvé mingi, tu as dit que tu as dit pour un grand parti qui s'est construit au prix des sacrifices, des morts. On ne peut plus clair sur le nombre de morts. Ils ont un parti qui s'est sacrifié à l'UDPS. Quand on voit Bazak publier UDPS et Tshisekedi, UDPS et Tshisekedi, on voit 69 députés. Et les gens applaudissent, ils disent non, ils ont exploité, ils ont aucun malade. Ça fait pleurer. Voilà un parti. Et c'est pour dire qu'il ne faut pas se contenter des acquis, dire qu'on est populaire. Le fait d'être populaire, d'être mieux connu, tu sais que Yebana, nous avons un président qui est là, c'est ça qui va faire le travail à votre place. Ça remet en cause la gestion de Augustin Kabuya comme secrétaire général de l'UDPS. Moussala et Salami Malamouté, à tous les niveaux, il n'y a pas une sérieuse préparation. Pendant 5 ans, Abila Pekisa Kiyote pour nous identifier, c'est un travail qui s'est fait en 5 ans. Vous avez vu que parti. Une de paix, ils ont tant qu'on s'organisait mal à monter. Ça dit pendant 5 ans, aux alors, aux qui 3 ans, tu faisais quoi pendant ces 3 années? Je mets entre parenthèses, ils allaient point de vue dans Gaï. Vous voyez, ça n'a pas oublié, vous avez pensé dans les commentaires. Les partis présidentiels ont un sérieux travail à faire.
les résultats aux yeux provincial, oui, c'est bien. Mais il faut voir dans l'avenir, ma force politique, ils allaient qu'on se combattre. Ils allaient dans ma force politique, ils allaient qu'on botama. Yo, le bibi, c'est aux alaka, aux alaka kaka. Mais ils allaient qu'on sous-estimer, bah, adversaire, ils allaient qu'on. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à la base de la violence? Kuluna moko et botami, bah, tu n'as bandal paniqué. Il y a des jeunes gens, na ba polo, il y a Levi Pangi, comme il se nomme, bah, qui est qu'on s'attaque na ba partisan ya Patrick Muyaya. Pourquoi? Parce que, abimi le sous-député provincial, aïbi ba voix na bango, selon ce qu'il pense. Affrontement, bah, paralysé quartier, bah, bambana mabanga, bah, bambana banzete, à cause du résultat des élections. Et dans tout ça, c'est les jeunes. Donc, ils ont bon gâté, ils ont mon côté, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, aussi. Vous avez déjà du travail, bino bo poni na bino ki faut ba instrumentaliser ka bino bo zwa ka ba machete bo zwa ka ba mabaya bo ke na ka ko s'attaquer. Donc lorsque deux leaders politiques ba monique bazali ko s'affronter na circonscription moko instrument na bango makofi na bango to baga na bango ezali jeunesse au faut ba instrumentaliser pour na ko makambo ya boy. Pourquoi on doit arriver jusqu'à ça? C'est parce que maturité zamouke, nous avons des gens qui veulent faire la politique mais qui n'ont pas la morale politique, qui n'ont pas compris c'est quoi la politique. Bazaka ka ko capitaliser par rapport à ce que ça donne. Tant on a comme député, ceux qui na bundani kuna à l'essentiel ba na ba sala moi ba tour na toilette, vi ko bonganyon so yangwana. Voilà l'essentiel. Et belé bazaka ko ta na politique, l'essentiel kaka made so bana et lo bana ngo ba 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 ba, ba roulage, made so bana les autres kotoyo. Baza kotana na bango kaka 1000 tours na toilette, l'essentiel bana bazo kota toilette, biso pe tozo continue chemin na biso, ba ko respecte yo, o banda kotambola na policier, parce qu'on komi député. Mais le reste ne le préoccupe pas. C'est une honte, c'est une honte, ba politicien belé, baza kolinga komi benga ba politicien, omer so yo pwe si la. Parce qu'il faut réfléchir, na manière nini toko mettre fin na commerce politique. Loi électorale et lobinim. Nous avons des défaillances dans nos lois où ils ont ça la politique et s'apparenter na commerce. Bah tu vas comment que ça la commerce na politique. Aza après y a qu'on recruter même bandumba na bon marché. Baza qu'on le bas français qui toko wana a comme ici bango ba politicien. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Moutouazali, député national, aza li sou yé moko na possibilité à ozala la sou député provincial. Comment on peut en arriver là? Cumul wana ya exercice. Donc yo moko wana au postulé monete ba mususu to monaki candidat moko présidentiel président de la République. Je sais pas si je me trompe, il faut ils à la Frank Diong. Donc à tous les niveaux mususu a comme un député. Mususu a comme un conseiller municipal. Oh Seigneur. Donc, Yomogwana, donc, à lui, pendant la zone, tenter chance au commerce. Candidat président de la République, candidat député national, candidat député provincial, candidat conseiller communal. Ezu, ezu. Ça fait très mal. Et ce que ça occasionne, les alliés, que cumule. Tant que les alliés, comme il y a, à tchèque, il y a un candidat, dans le niveau, il y a députation nationale. Bah, tu vas voter comme député national. Bâtir les sous sur la provinciale, le rôle congolais a été tenté à réfléchir sur Makamu. Les philosophes chez nous, ça n'existe plus. À voter, nous avons voté les députés nationaux, nous avons voté les sous provinciales. Donc, réfléchir, c'est que nous avons vu ce qui est au niveau national. Tant que nous avons fait ça provincial, nous avons fait ça, nani. La conséquence, c'est que il fait le choix. Ah, tu es, nous avons côté à. Muzindo maya munene kuna kote bambisi ya zakebele, akene na députation nationale. Il se choisit maintenant suppléant. Pour la plupart, ce sont les membres de famille, à vous préférer na yeaz ou membres de famille na yeacha. Pour peut-être les rares personnes qui n'ont pas mis au bachete, qui n'ont pas placé leurs membres de famille, à vous peut-être moutou à yebi que, à vous contrôler malam ou pour akate la kayeba 10%. Voilà comment nous avons transformé notre politique en commerce.
il y a plusieurs députés nationaux qui se retrouvent aussi élus députés provinciaux. Ça n'a pas de sens. Voilà des choses qu'il faut changer chez nous. Donc, Yomorowana, et puis cette fois-ci, et l'Oko Yotuzako Bete la Mosete, que le président de la République a bête à PCT dans les Kambo, c'est très important. Même si ma parti politique va en mot à dire, pour se retrouver le soukana même problème. Celui qui est député reste député. Le peuple congolais a pona qui oppose à la monobéli. Mais, au Kozoa, ma komika ka député, les mêmes députés là, ba nommé yé ministre. Allez, a ben li moi si na yé, ceux qui cousin na yé, ceux qui neve na yé, a tché na place na yé, parce que Zaïk est déjà suppliant na yé na katia liste. Allez-y, maintenant, voir ce qui va se passer. Donc, la plupart de nos ministres sont députés nationaux, sont députés provinciaux. Patrick Mouyaya, que j'aime beaucoup, qui fait son bon travail, il est élu député provincial, Azali élu député national. Ah, c'est bon. C'est très bien, mais c'est une défaillance de nos lois, ça ne nous profite pas. Et ça, côté. Ils ont profité, super à tous les niveaux. Il faut aussi chance, et ça la pone à Batounion. C'est ce qui fait que Bateau Bazana Mongoming, Bateau Bazali très connu, il profite. Nakoye Banana Bangoana Mena pour faire le commerce qui va avec la politique na niveau ya Congo. Et là, Moussou Super, c'est les prisonniers politiques. Toyebi que Salomon Kalonda, très proche collaborateur de Moïse Katumbi, ce qui peut conseiller na yé principal, ce qui n'a en prison, aza élu député provincial. Et souvent, ils ont une norme, pas na biso, c'est que Moutoupa, comme on a dit, Moutoupa a se retrouvé na yé à postuler. Doli Makambo avait aussi postulé. Donc, quand on a quatre élections, je ne sais pas, il n'est pas passé, mais. En prison où il est, Bakatela qui est 10 ans, pour une affaire, il y a un médecin qui est dans l'hôpital Vijana. Mais il se retrouve candidat. Ça, c'est à revoir. Il faut qu'on ait la Namibé qu'on a vu. Normalement, il faut qu'on ait la malame ou la Namibé. Salomon Kalonda, il y a eu un Azali, Makambo, un greffe, un Azali qui a reproché la justice. Ils ont une liaison avec M23, avec le général rwandais. En d'autres termes, c'est un ennemi de la nation. Parce que, dans le moment où ils ont rebondi ce terrorisme à Rwanda via le M23, lui collabore avec le M23. Mais il est candidat député élu dans Maniema, la députation provinciale. Donc, il va bénéficier des intérêts. Nos lois, tant que nous avons des lois, nous avons des défis, nous avons un mandat pour Félix Tshisekedi, comme pour toutes les institutions, c'est les réformes, les grandes réformes qui doivent être envisagées, et surtout en termes de lois. Les lois sont tellement injustes qu'elles allaient tailler sur mesure pour bénéficier, faire bénéficier une certaine catégorie. C'est un petit groupe qui a battu, il faut pas se là. C'est-à-dire que nous avons des moyens de se retrouver des athées. Le plus fort va continuer qu'on joue à Makassi, le plus faible va continuer. Voilà pourquoi il faut créer l'équilibre. Équilibre en termes de loi, équilibre même dans le salaire. C'est vrai. Bon, on va député, on va charger Zali et Bélé, on va déjà déclarer papa social. Pour bon, on va katakasus moins d'amour, pour pas qu'il pour monsieur le président de la République a adopté les Kamouana lobi ba député bazana charge makasi rôle ba comment ko jouer na à la base ils ali rôle moko munene. La question n'est pas de leur salaire, non, la question c'est de l'équité. Rôle wana biso to pesi bango ngote, c'est à cause de leurs erreurs ne ba komi ko jouer rôle wana. Ça c'est aussi une forme moko ya mabe ya répartition ezak ko se créer, ce n'est pas encourager. S'il faut rabaisser leur salaire, les Congolais aussi doivent comprendre que député à cause de la papa socialité. Nous cherchons que le salaire, il y a des députés, il y a des provinciaux nationaux, des ministres, des équitables. Il ne faut pas dépendre d'eux. Tout le monde a dit que nous avons une chaîne qui est anti-valeur. Aïe, Asala, nous sommes ressortissants. Pourquoi? Parce que tu as dit que chaque 30, nous sommes en train de nous faire
autour de 100 000 francs, 200 000 francs. Aussi, bon, dimanche, on fout à mes pas député. Accepter que le salaire n'a pas été toujours dans un niveau où on a réduit en côté. Donc, les Congolais veulent les changements, mais en même temps, ils veulent le contraire. Cette question aussi doit être revue. Les Camerounais n'ont pas le bar et l'ingé qui ont les Camerounais et comme ici Salomon Kalonda député. On ne peut pas en même temps être poursuivi par la justice pour des faits graves, pour haute trahison contre Mbokanayo et en même temps postuler. C'est grave et gravissime. Tout ça, ma légèreté, ma casse, c'est bien qu'on a vu ça. Donc, on préfère s'en passer. Malaise entre l'UDPS et l'MLC. Ma internaute. Il y a des gens qui s'appuient sur Songi Yaba français Yamouté Mamabe pour inventer des fausses informations qui n'existent pas. Il n'y a pas de problème entre Bemba et Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de problème entre l'UDPS et l'MLC. Bah, tu as MLC, Bazali n'a droit n'a bango légitime. Il y a aucun de la justice. Ceux qui ont monique et Bazali lésé n'a pas droit n'a bango concernant. Par résultat, ils ont aussi le devoir citoyen d'être civilisés au salamakamukulandango na procédure ndenge sengeli. Parce que ce qu'on a vécu au Otomoni, on a vu ça aussi même à l'UDPS, ils ont battu le peuple basa qu'on revendiquait. Paul Tshilumbwa beaucoup parlait, Bolandi Yepe, ndenge pas ça qu'on s'attaquait na staff dirigeante, maire, voire même certains candidats y a parti na ye. On voit que le problème est d'ordre général. C'est le comportement de la Congolais à niveau 1. Alors, s'il y a frustration au MLC, d'abord, de manière générale, c'est que les gens ne savent pas, ils allient que Bissonion, son abatoubatanga, abatoubatanga, tout comme un déficit moro, ils allient lié dans le quotient intellectuel. Le complot a voulu que Bissoto Zalakaka beaucoup plus accroché à la bêtise, parce que la bêtise insiste toujours. Même ceux qui ont étudié, qui sont censés orienter les autres, bato bazako benga maba élite, bango wanande bazako se comporter lokola basenzi. Ondimi mabenga yo élite, olate cravate lokola nga otie veste obimi liboso. Mais c'est yonde okoko apaiser ba esprit na moment oyo. Que voilà, eloko eza mabe awo eza na limite, ezali politique oyo asei batie na loi électorale na biso. Eza mauvaise politique. Il faut tout longolango à la longue na kata mibeko na biso parce que ça n'honore pas ezali ko cadrer te ezali beaucoup ko encourager ba fort et puis ezako tchali susu ba faible na libulu makasi. Mais ce sont les élites qui se comportent en analphabète. Donc tant toza ko loba, on ne sait pas na Congo qui est lettré, qui ne l'est pas, qui est élite, qui n'est pas élite. Confusion est totale. Donc moni mutu aza ko réclamer au tel niveau na ye. On le dit, mais ayaki nan kwa postuler ndenge nini sans koyeba ke sei ezalaka. Est-ce qu'il avait pris le temps d'être expliqué? Peut-être yo na ba étude faite na yo oyebaki na yo sei te ndenge nini bakalikilaka ngo ndenge nini basalaka yango. Faites-vous informer. Yeba yango comment ça se passe avant oya? Parce que comment se fait-il que yo zali président ya regroupement politique songolo pakala? O zala na mesure te ko expliquer ba tout sei ezan ndenge nini. Les plus forts restent parce que ce n'est pas ici le lieu. Tout le monde a expliqué tout ça. Il y a des calculs là. Ça s'apprend. Moussou, je peux apprendre. C'est par rapport au niveau de compréhension. Tout le monde va comprendre dans un langage où il est plus clair et de manière concise. Il y a pour apaiser. Mais tout le monde aujourd'hui est passé. Bah, on s'attaque à Augustin Kabouya alors que le problème n'est pas Augustin Kabouya. Le problème, c'est le seuil. Augustin Kabouya était moutou, à qui on a bundé na poil longo là-bas. Comme on a vu dans la liste, n'est toujours qu'à Bamoussou Bazako Loba. On a un problème de compréhension lié à nos lois. Et c'est ici qu'on comprend que nous avons tous des problèmes. Lettré ou pas, tous en Makambu. Donc, Jean-Pierre Bemba n'a aucun souci avec Félix Tshisekedi. Que Jean-Pierre Bemba pense devenir un jour président de la République démocratique du Congo, les ambitions sont légitimes, mais il faut être organisé et surtout ne pas tomber dans les illusions, parce que certaines ambitions sont de fortes illusions. Oyo, ils allaient payer comme maillot à des mesures
au commun à point où ils aillent en beauté. Je ne dis pas que c'est Bemba qui est dans la mesure, mais je parle de manière générale. Jean-Pierre Bemba, Azali Moutou, il a postulé en 2006 face à Joseph Kabila. Il a son agenda, il a tout ce qu'il fait. Mais ce qui se raconte, où Moussous Batoubazali pour fabriquer, ils allient des natures, il y a qu'on l'a divisé, Kocha Songi Songi, pour n'a qu'on panza Batou. Ça n'arrivera pas. C'est Jean-Pierre Bemba qui conduit la politique de son parti politique. Il sait là où il va, il sait la vision qu'il a. Félix Tshisekedi aussi est issu d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Il sait là où il va. Il sait quelle est la vision du parti dont il est issu. C'est quoi l'héritage qu'il lui a laissé son père. Combat à Ezalinini. Chacun s'organise à sa manière. Si notre démocratie décide demain de mettre qui, et chacun, Moutouna Moutoua, Tchaye Soki Wapi, Batiana Nyakoma président, c'est la démocratie qui va en décider. Mais bino bokomi ko timola déjà mabulu avant nanu kutu to komi kunate. Ça montre qu'il y a des sorciers parmi nous qui ne veulent pas de la paix. Donc nakanisi malamu ke actualité na biso ndenge tolandi yango eza ko kende presque na suka. Je vais terminer ici par cette vidéo que je vais vous présenter. Il y a gouverneur, il y a Owele ba Seya Nanga, les petits frères à Corneille Nanga et puis Tozongi. Une tâche qui se met sur un habit aussi blanc que ce que moi je porte aujourd'hui, qui s'apparente à la rébellion. Une rébellion, malheureusement, qui renaît et qui veut prendre encore forme parce que c'est animé après changement de nom par M. Corneille Nanga, qui se retrouve être mon frère biologique, même père, même mère. Et d'ailleurs, je viens quatrième après Corneille dans notre famille. Mais je voudrais bien porter à l'opinion nationale et internationale que l'aventure de Corneille l'engage et lui et à lui tout seul. Toute la famille Nanga n'a jamais été maniée ni arme, ni adhésion dans une quelconque rébellion. Je pense qu'il est adulte. Je pense qu'il a choisi son chemin. Mais nous avons choisi le nôtre. Et le nôtre, vous comprendrez que nous partions aux élections, je crois, mon grand frère nous a convaincus qu'il n'y aurait pas d'élections. Et il écrivait en grand. Si nous n'avions pas participé aux élections comme les autres l'ont fait, on pouvait insinuer par là que nous sommes derrière. Mais nous sommes allés aux élections alors que lui nous disait que ces élections n'auraient pas lieu. Nous y avons participé activement et il y a des images. Et moi, personnellement, j'ai été dans tous les fronts. Je suis allé battre campagne et toujours pour témoigner mon attachement à ma famille politique qui est l'Union sacrée. Ces élections dans la province se sont déroulées et que les résultats sont là. Je voudrais convier tout le monde, n'importe lequel, sceptique, qui sont sceptiques de mon action, de descendre auprès de la CENI pour les résultats qui sont sortis dans notre village, où notre papa, parce que je l'avais dit en plein meeting, que bien que l'élection soit, le vote soit secret, mais au moins le nôtre, si celui qui vote accepte qu'il publie, n'est-ce pas, la personne qui vote, je crois, il n'y a rien à condamner. Et c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé à ce que le vote qui sera fait chez nous, qu'on puisse dire, que les gens disent qui ils ont voté. Moi-même, j'ai voté Félix Antoine Tshisekedi. Notre propre papa, qui est chef coutumier dans notre collectivité, la collectivité Wadimusa, a voté le président Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas s'il faut faire mieux que ça pour témoigner qu'on est dans l'Union sacrée.
et que ça fait très mal. Que les adversaires politiques prennent la confort de commerce pour nous renier notre appartenance à notre famille politique et que, je le crois bien, ceux qui sont bâtards certainement restent ce que nous restons. Donc, nous nous déclarions d'un parrain, mais faudrait-il encore faire un peu plus pour qu'on accepte que vous êtes le fils Dieu de papa. Ça fait très mal. Au-delà de cela, aujourd'hui, je voudrais bien rassurer que non seulement la famille Nanga, non seulement, je dirais la grande majorité parce que je ne suis pas l'héritière des frères de Nanga. Nous sommes tous Nanga, nous avons ces noms-là, nous n'allons pas changer ces noms. Au moins, nous savons que, tels que nous sommes, les uns peuvent avoir des préférences. La deuxième raison était que lorsque nous avions appris que notre frère s'est allié au Rwandais, lorsqu'il y a eu création de l'AFC, je pense, c'est ça, non? L'Alliance Fleuve Congo. Lorsqu'on a créé l'AFC, et avant même qu'on ait créé l'AFC, lorsqu'il y avait création d'un autre parti politique, c'était la DCP. Parce qu'on a commencé d'abord par la création d'un parti. Voilà. Comme Bouti Kolanda Yango, Corneille Nanga, tant que Zalaka bébé, il fallait qu'il a causé un problème dans la famille. On ne sait pas si en grandissant, il était très turbulent. Et ça, c'est difficile pour un père et ses enfants d'être victime d'un enfant bandit. Nakimukolo. Tant que à cause des intérêts mesquins, Corneille Nanga a choisi la brousse pour la famille mobile. On ne sait pas si ce que dit Baseane Nanga, le gouverneur de Ouélé, est vrai, parce que personne ne voit son cœur. Mais il dit la famille n'est pas concernée, lui surtout, parce que Baza victime dans le moment où il acte à Nanga, il retombe dans le moment où il fait souffrir la famille. Baseane Nanga est dans l'Union sacrée, il est avec Félix Tshisekedi. Il dit qu'il a voté Félix Tshisekedi. Mais yo tata mobimba mokolo, oza ko kende na ki mokolo, nde moment où yozo ko kende ko commettre ba acte où yza yangote. Ozali soumis na malédiction parce que le papa peut te maudire. Ou monika ka pour à cause y'a rien. Ndenge kaka. Drone wane za ko rataka yo wana sumpozo kite okipe drone ya butu baningisi yango. Mais le papa pe bande ko baza ko tuna papa, vous êtes chef coutumier, disciplinez votre fils. Pour ne pas dire les mots dire, c'est pas facile, mais il y a un moyen toujours en étant chef coutumier de rappeler à l'ordre aussi son fils. Soka za ko yoka ete yoka yote bimela ya tana ndenga mystique place aza soki na Tanzanie soki na Uganda pour na rutura ko mekali susute. Obimeli na ndenge moko ya mystique o lakisi yepeke makambo ezalaka parce que ça aussi c'est le pouvoir. Aza mwana na yo, aza sana na yo, aza pouvoir na yo. Ici, si le papa peut utiliser tout le pouvoir à sa disposition, on pense que Nanga là où il est, il peut aussi être ramené à l'ordre même par les esprits, parce que le papa c'est un grand chef coutumier et qui soutient Félix Tshisekedi. Yo moi nous avons sacré la mabélé na biso lobanga mutu na bota kiyote na pesho 48 heures zonga awa. Si c'était moi je le ferais. Il y a toujours un moyen, il y a kosuki sa mutu. Donc ayé magezambo yo koti obimaka na mutu. Donc la famille se plaint vraiment, lettre est adressée, lettre ouverte au président de la République. En tout cas ndeko na ye waza 4e après Nanga, Nanga pas amukolo a mais azo se respecter te. Donc, petit frère a commis Golila, Ozoko Tchèque Batouna passe, à la place, va réfléchir sur manière de développer province, va commis qu'on réfléchir na Makambuya yo tata Mobimba. Donc, Ozongi plus que bébé, Ozongi, moi na mouke, o yfungi, sengeli baba na Kolandela. Donc, la famille se désolidarise, ce qui est un bon si, mais
les renseignements, l'État doit garder toujours ses moyens pour garder à l'œil Moutounyonso Oyoyo, Azali, proche Yamanga, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais qui travaille avec lui, il est en collaboration avec qui, c'est important d'y veiller. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité, comme abordé lorsque Tolobila qui sommaire, n'a pas subino. Matondo mingi ndenge bolanda ki émission oyo na mungongo ya Samba Olonga. Merci pour la fidélité na bino, merci pour la confiance na bino. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez cette actualité. Surtout n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire. Merci à Mbia Chako qui nous avait accompagné, qui nous a accompagné comme d'habitude pour que cette émission vous parvienne. Merci à l'apôtre Gérard Kabeya, l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga. Monsieur et des mères Boniface Mpunga, Papa Freddy Ngwama, mon vieux Maurice Kikangala, Maman Bilo Bilonda, Maman Lisette Momendou, Papa Jeff depuis l'Autriche, Papa Kennedy Mukendi, Monsieur Paulin Tika et tous ceux qui soutiennent l'émission Debout Congolais. En tout cas, je vous aime beaucoup. Continuez à soutenir cette émission, continuez à nous appuyer. Restons Wazalendo, Fardé Senamote, comme d'habitude, Bende Lekoyate, on se retrouve prochainement.